Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le fond de teint stick Iman. Donc il y a une de mes abonnées, je crois que c'était sur Instagram, qui m'avait demandé de faire une vidéo revue là-dessus. Donc je lui avais dit oui, il n'y a pas de souci, je ferai la vidéo. Donc merci pour ta demande. Si tu passes par là, que tu te reconnais, je te fais de gros bisous. D'ailleurs, je fais des bisous à tout le monde hein, aussi. Hein. Il s'agit de ce fond de teint-ci, donc c'est le fond de teint stick Iman. Donc moi j'ai la teinte clé 5, voilà, donc c'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Alors faites pas attention, ma fille est là, elle est malade, donc il se peut que vous l'entendiez tousser ou éternuer, donc on s'excuse d'avance. Alors, où est-ce que je me procure ce fond de teint? Je l'achète sur le site Filunik. Donc, il n'est pas très cher, il coûte 26 € et il dure assez longtemps. J'adore ce fond de teint. Alors, le fini de ce fond de teint est un fini mat. Il n'y a pas de satiné, il n'y a pas de glowy, c'est du mat à l'état pur. D'ailleurs, Janice Beauty a fait une vidéo revue sur ce fond de teint. Donc franchement, je suis à 100% d'accord avec ce qu'elle a dit. Donc je vous mettrai la vidéo de sa revue en barre d'infos. Parce que franchement, sa revue est nickel, parfaite. Et voilà, je ne vois pas ce que j'aurais de plus à rajouter. Sur ce fond de teint là. Donc en fait moi j'ai découvert la marque Iman il y a très longtemps. C'est les premiers fonds de teint que j'utilisais en fait quand j'ai commencé à me maquiller. Et par chance en fait on va dire que je suis tombée dès la première fois sur les fonds de teint qui me correspondent au mieux au niveau de ma carnation. Donc comme vous pouvez le voir, le fond de teint est vraiment pile poil parfait en fait pour ma carnation. Donc moi j'ai le cou plus clair que le visage, donc avec ce fond de teint j'arrive à harmoniser en fait les deux. Et c'est un effet que je n'arrive pas à trouver avec les autres teintes des autres marques, parce que c'est toujours trop jaune ou trop orangé et ça me fait trop de démarcation en fait. Il n'y a vraiment qu'avec les fonds de teint Iman que j'ai acheté que j'ai trouvé la parfaite couleur. Alors là, vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de poudre, j'ai fait exprès de garder en fait uniquement le fond de teint. Comme ça, vous pouvez vraiment voir l'effet. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de poudrer. Moi, je poudre toujours un peu parce que j'ai l'habitude, mais franchement, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, il matifie vraiment. Alors, moi, j'ai l'habitude de briller, vous voyez, à cet endroit-là et un petit peu ici. Et franchement, quand j'utilise ce fond de teint-là, je ne brille pratiquement pas, voire quasiment pas. Donc, c'est vraiment un fond de teint qui m'assure une matité quasiment parfaite, parce que bon, la perfection, je sais pas si ça existe, mais quasiment parfaite. Alors au niveau de l'application, comme vous avez pu le voir, moi j'aime bien utiliser un pinceau. Donc là pour cette fois-ci j'ai utilisé le pinceau de Sedona Lace.
Le 602, donc c'est un pinceau kabuki un peu biseauté, comme vous pouvez le voir. Donc j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau. Bon, c'est assez facile. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise la Beauty Blender. Donc non, en toute façon, je n'en ai pas. Donc voilà, je préfère nettement les pinceaux. Donc je vaporise un petit peu de Fix Plus. Vous pouvez, moi j'en vaporise sur mon visage, mais si vous voulez, vous pouvez en vaporiser directement sur votre pinceau. Moi je préfère faire sur le visage, comme ça c'est déjà fait. Et puis je trouve que quand on en vaporise sur le pinceau, on en perd beaucoup en fait du produit. Donc voilà. Et en fait, je fais ça uniquement pour apporter un petit peu d'eau à ce fond de teint, parce que bon, c'était un fond de teint. Vous voyez qu'il est à l'état solide. Bon, j'ai même pas besoin de vous montrer, vous le savez. Il est solide, donc il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et voilà, donc il faut que j'apporte un petit peu d'eau pour faciliter un petit peu l'estompage. Donc il s'estompe assez bien. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est une couvrance qui est assez moyenne. Et vous pouvez un petit peu intensifier la couvrance en rajoutant. En rajoutant du fond de teint. Voilà, donc comme vous l'avez vu, je l'applique directement sur mon visage. Moi, je fais des traits assez rapprochés parce que j'aime bien bien couvrir. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherchait une couvrance très légère, vous en appliquez par exemple là, là, là et là. Et ensuite, vous blendez le tout et ça va vous faire un aspect unifié, très naturel et mat. Au niveau de la teinte, donc la teinte K5 se présente comme ceci. Donc vous voyez que ça a des sous-tons un petit peu dorés qui tirent un peu vers le neutre, je trouve. Voilà, par rapport. Alors vous voyez, j'ai les mains vraiment très claires par rapport au reste de mon corps et de mon visage. Donc vous allez voir une différence. Mais voilà, donc si vous avez à peu près la même teinte que moi, ça peut vous convenir. Voilà. Ce que j'aime bien avec les fonds de teint Imane, c'est que les couleurs sont des couleurs de peau en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est quand j'ai vu les autres fonds de teint que j'ai, des fois il y a des fonds de teint qui, quand vous le mettez sur votre peau, enfin quand vous le swatchez, c'est clairement orange en fait. Alors qu'on n'a pas la peau orange, on a une peau bronzée. Mais c'est un bronzé couleur peau, c'est pas un bronzé orange. Avec les teintes des fonds de teint Imane, voilà, ce sont des couleurs peau, je trouve. Voilà, vous voyez ça. Je trouve que ça va parfaitement avec ma couleur, quoi. C'est la sous-teinte en fait parfaite, hein. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en tout cas, moi, je me comprends. Donc voici pour le clé 5. Alors j'ai acheté aussi le Earth 1. Donc vous avez trois gammes de couleurs. Vous avez la teinte, les gammes Sand avec plusieurs chiffres du plus clair au plus foncé. Donc ça, la gamme Sand, c'est pour les peaux les plus claires. Ensuite, vous avez la gamme Clé, les peaux moyennes. Et la gamme Earth, donc ce sont les teintes les plus foncées. Voilà, donc ça c'est le Earth 1. Donc je l'ai acheté parce que je voulais avoir, en fait, par curiosité, je voulais savoir un petit peu comment était cette couleur pour savoir si j'étais pas plus Earth que Clé. Mais il s'avère, voilà, le Earth est ici, hein. Il s'avère que le Earth, une fois que je l'applique, est vraiment trop foncé. Donc au pire, je pourrais l'utiliser pour cet été quand j'aurai un petit peu bronzé. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire sur ces fonds de teint. Franchement, n'hésitez pas à essayer. Alors c'est plutôt recommandé pour les peaux grasses parce que voilà, il n'y a vraiment pas d'agent hydratant à l'intérieur. Donc voilà, si vous avez une peau très sèche, je ne vous la recommande pas. Moi, j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que cette zone-là, tout le bas est un petit peu sec et tout le haut est un peu gras, quoi. Donc l'un dans l'autre, en fait, ce fond de teint me régule un petit peu ma zone grasse et ça ne me fait pas d'effet indésirable sur ma zone sèche. Donc tout va bien. Voilà, alors avant ceci, j'applique
une base. Donc je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai appliqué la base de MAC Natural Radiance, il me semble. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. De toute façon, je ne vais pas faire doublon avec la vidéo de Janice. Elle a super bien expliqué tout ce qu'il faut savoir dans les détails. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. D'ailleurs, je vous encourage à y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées sur des futurs achats ou que ça vous aura donné des idées sur les teintes par rapport à votre carnation, etc. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao. Yeah.